Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo dégustation de la semaine les amis. Aujourd'hui on va se péter le bide, mais pas que. Puisque déjà, première partie de vidéo, on va aller au McDo pour la première fois. Je vais aller au McDo avec mon bolide. Parce que voilà, je l'ai pris en main, ça y est les gars, je suis un pilote. J'ai trop peur. J'ai trop peur d'accrocher une jante, mais voilà. Les gars, il va falloir se remettre au drive quoi. Du coup on va aller au drive de McDo, aller manger des Deluxe. Puisque la gamme Deluxe est de retour au McDo. Donc voilà le Royal Deluxe, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Vous le savez que c'est quasi mon burger préféré de McDo, la petite sauce moutarde. Ça me donne bien faim. Et ensuite, vous êtes nombreux à me le demander, même hier j'ai live et vous avez été nombreux, nombreux, nombreux à me demander. La question revient tout le temps puisque l'objectif de like sur la vidéo où je vous présentais ma voiture a été atteint. Pidi va conduire. Pidi qui fait sa toffe là-bas. Mais, oh mais c'est pour Instagram. Ah ouais! Mais je mets des looks du jour dans mes stories Instagram. Des looks du jour? Les looks du jour. Ah oui. Ouais, t'es là. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, ça gaze ou quoi, les gars? T'as peur? Ouais, Pidi va conduire mon bolide ouais, pour la première fois. Bah, c'est pas moi qui ai peur, est-ce que toi t'as peur? Non. Non? J'allais bon, après, en vrai, on va aller sur un parking et si je la sens en confiance, peut-être qu'on fera un peu de route. C'est vrai? Je sais pas. Toi, tu prends vite la confiance, donc non, attention. Non, je te jure. Mais voilà, programme. Je te jure, je vais faire attention. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas et n'oubliez pas les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Bah écoutez, c'est parti, direction McDonald's. Let's go. Mustang, en fait, on va au drive, on mange pas à la maison. Donc t'as beau attendre, ton assiette, elle va pas arriver en fait. T'attends quoi là? Tu vas me dire que là, t'attends qu'on te serve à manger. Genre, t'attends à table. Il me tue, ce chien, bordel de merde. Tu me tues. Ça, c'est sa tête où il essaye d'avoir des récompenses. Il essaye d'amadouer pour avoir des petits trucs. Code créateur va lose, les gars. On dirait un panneau comme dans Fortnite, regardez. Regardez le panneau McDrive là. Voilà, ça m'a juste fait penser à ça. C'est parti. J'ai pas la ref moi. Bah dans Fortnite en fait il y a des tableaux où tu peux écrire ce que tu veux, c'est exactement les mêmes. En fait c'est serré ici. J'aurais dû mettre une GoPro devant. Parce qu'en fait si j'accroche je vous allez revoir juste ma gueule se décomposer. Se décomposer, ouais, j'avoue. Pour un Royal Deluxe. Oh putain. Ça coûte combien un Royal? Je crois que ça coûte cher hein. Je sais qu'il y a trois gammes de Royal. Royal Deluxe, Royal Cheese, Royal Bacon. Et Royal Cheese et Royal Bacon, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, en gros, dans le Royal Deluxe, ce que j'aime bien, c'est la sauce. Mais elle est uniquement dans le Royal Deluxe. Dans le Royal Cheese et Royal Bacon, c'est de la sauce un peu comme... En gros, c'est un cheeseburger classique. Mais avec un... Tu regardes, tu souris comme ça. C'est un cheeseburger classique, mais avec un gros steak, en fait. J'sais et pas, en vrai, c'est pas ouf. C'est des sauces moutarde ketchup. Je te trouve mignon aujourd'hui. Tu casses. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Bonjour, ma collègue arrive. Ah ok, d'accord, ça roule. Deux menus maxi best-of Royal Deluxe. Oui. Avec de l'eau pétillante. Okay. Tu veux un dessert ou pas? Un cookie si vous avez, s'il vous plaît. Bon, est-ce que vous pouvez rajouter un Royal Bacon? Mais frites ou potatoes? Frites. 24,05€. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bon courage. Bah pourquoi? Genre, c'est une meuf qui est sortie. Bah je sais pas. Oh putain, c'est le moment tendu. Peur. Wow. En vrai c'est tellement serré wesh. Bah j'ai pas habitude avec les grosses voitures hein. Merci beaucoup. C'est littéralement l'une des premières fois où il se passe à rien au drive. Au drive c'est vrai ouais. Aucun souci. C'est dommage. Oh, putain, j'ai failli provoquer le karma. Votre commande arrive tout de suite. Je voulais mettre sur la droite la place la plus offerte. Parce que j'ai déjà ce qu'il y a pour le monsieur derrière. D'accord. Ah, okay. Il n'y en a pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Pas okay. De problème. C'est pas des lol, 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 c'est pas des... Lol. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Bon bah c'est parti, direction le parking. Ouais mais généralement les bip bip ouais, ils abusent un... Ouais, je fais, attends, il me met des coups de pression, frère. On va aller sur le parking, on va manger comme à l'ancienne dans la voiture. Il faut bien qu'on la baptise, hein. Et puis après, bah, je te laisserai. Conduire la bête, en fait. C'est ça. On se parti. Bon, bah, les gars, on a trouvé un The Parking où il y a personne. Bon, allez, on va se mettre à l'aise, regardez là. Ah, oh, je retire mes lunettes de professeur là, hein, parce que ça va deux minutes. Royal ah oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que les gars, j'ai pris un Royal Bacon parce que je me suis dit un Royal Deluxe, ça va pas me suffire. Mmh. Même si j'aime pas trop, comme ça, au moins je vous montre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bah, en fait, c'est classique, hein. C'est pain classique, du bacon, des oignons, un gros steak et du fromage en dessous. J'en ai déjà foutu partout.
Mais non, mais c'est pas. Mais je suis trop con. Je pensais que c'était un oignon. Ah, mais tu. Il y a un petit morceau blanc qui est tombé, je pensais que c'était un oignon. Mais vraiment, tu me dis. Sauf que c'est un morceau de papier. Mais regardez-moi ça. C'est pas une petite table de chef, ça? Allez là! Allez là! Allez hop, mon premier croc. Ouais, mon premier croc, du coup, du Royal Bacon. Ah, si, il est bon. Tu peux goûter? Il est méga bon. T'es prêt à ce que je fasse un secro? Vas-y. En vrai, le bacon, il est pas mal, hein. J'ai enchaîné à la bonne école, hein. Le Royal Cheese classique, j'étais pas hyper fan, mais lui, en vrai... Ah, il est bon, lui. Ouais, il est bon. On dirait un hot dog. Ouais. Hein? En 10 ans, ça upgrade, hein. Ah, en 10 ans, ça upgrade, hein. À l'époque, on mangeait des Subway dans une Smart. Et des McDo. On comptait l'argent parce qu'on n'avait pas assez de thunes. Donc on devait faire vraiment au strict minimum. On devait pas prendre de boisson ni de dessert parce qu'on n'avait pas assez de thunes. Et là, on mange dans une Audi Q3 RS. C'est presque ça. Non mais c'est vrai les gars, parce que bah, on l'avait déjà dit dans des vidéos et tout. Bah Pidi et moi, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et il y a 10 ans, bah à chaque fois notre rituel, parce que vu qu'on vivait encore chez nos parents et tout, on mangeait ensemble le midi ou le soir dans la voiture parce que j'avais le permis, mais une Smart, les Smart où il y a 5 places là, ouais. Smart for four, sur un parking, et on graillait des McDo, des KFC, des... Et je travaillais après l'école parce que j'étais encore à l'école et je devais lui donner de l'argent parce qu'il n'y avait pas de thunes pour son essence. Ouais, c'est vrai. Putain, à l'époque, hein. Ouais. Bordel. Et là, on se retrouve 10 ans plus tard. C'est un truc de malade. Sur un parking, en train de manger la même chose, mais on a évolué, Loustic. Bah, moi, le confort. D'ailleurs, si je veux mettre la musique. Où serait sinon? Trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai eu un gros bout d'oignon. Et je pensais que ça allait me rafraîchir la gueule. Parce que je pensais que c'était de la salade. Alors que c'était de l'oignon. Oh là 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 là, la bestiole. La bestiole, là, faut faire attention, ça met de la salade partout, ça. Le Royal Deluxe, normalement, vous connaissez parce que voilà, c'est pas nouveau. Il avait disparu de la circulation, mais il est de retour là. Nous avons du pain, de la bonne sauce moutarde à l'ancienne avec des petits grains, une petite tomate, du fromage, de la salade, un gros steak et en dessous, il n'y a rien. J'avoue, il y a vraiment que dalle. Genre, le pain, il est. Toi aussi, ton pain en dessous, il est comme ça? Ouais. Il n'y a rien. Mais tu sais que moi, à McDo, je prends toujours que le Big Mac. C'est vraiment ma ligne de conduite à McDo. Et au final, c'est la première fois de ma vie là, que je change. J'avais jamais goûté du Deluxe. Et c'est très bon. Trop bon. La sauce, elle est trop bonne. En fait, la sauce, elle pique sans piquer. M'en fout partout. Je comprends pas pourquoi ils avaient retiré. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui savent pourquoi ils avaient retiré le Deluxe? Après, en vrai, j'avais lu un truc. Les top burgers de McDo, ils font exprès de les retirer pour qu'en fait, ça recrée une sorte de petite hype. Ah ouais. Et que quand il ressort, les gens, ils revont à McDo. Mmh. Tu vois, alors que s'il était tout le temps disponible, bah les gens peut-être se lasseraient. Mmh. Ils reviendraient plus à McDo. Alors que là, le Royal Deluxe est de retour. Les gens retournent au McDo alors que peut-être ils y seraient pas retournés. Les boss. Ils sont forts, hein. Deluxe, c'est la valeur sûre, hein, les gars. Si vraiment vous avez jamais goûté, allez-y. Au moins une fois. Mais faut aimer un petit peu les sauces relevées. La moutarde. Ouais. Ou le vinaigre. C'est vraiment moutarde à l'ancienne. C'est un arrière-goût un peu acide, vinaigre. Un peu. Ouais, c'est pour ça. Mmh. Tu sais, c'est des petites moutardes avec des grains, là. Ouais. Interro surprise. Est-ce que vous êtes en train de manger? Si oui, vous mangez quoi? Ça me fait délire parce que des fois, il y a des plats improbables. Ah ouais? Ah, parce qu'en général, si tu regardes une vidéo et que tu manges, c'est que t'es devant la télé ou devant ton ordi. En général, devant ton ordi, tu vas pas manger un couscous, tu vois. Bah, pourquoi pas? Bah, couscous, c'est plus en famille. Il existe des plats préparés couscous, hein. Tu marques un point. Bah, attends, mais mec, mais attends, mais bordel de merde! Tu vas dormir ou quoi, là? Mais... mais tu peux carrément t'allonger. Mais et ça doit être trop bien, regarde, tu regardes les étoiles. Ah ouais. Oh, viens, une nuit à la belle étoile. Une nuit à la belle étoile en voiture? Ouais. En et genre, on ouvre le coffre et on optimise tout en mode petit plaid, de petits trucs cocooning. Et on dort dans la caisse. Ouais. Oh, viens, on le fait. 150 000 likes. Oh ouais. Et j'avoue, on dort à la belle étoile. Et je pense que je mettrai une GoPro sur ma tête pour que vous voyez pile l'angle que je vois. Et Loulou, on peut ouvrir le coffre. Et on fait genre des pop-corn, des chocolats, des... Tiens, ils sont racontés. À l'arrière de la voiture. Comment ça on fera des pop-corn, du jeu? Mais non, mais on ramène des sauts de pop-corn, du chocolat, des petites théières pour boire du thé. Je m'occupe de tout. Pourquoi tu veux boire du thé dans ma voiture, là? Bah le soir, on regarde les étoiles et on boit un peu de thé ou un peu de chocolat chaud. Et on prend des plaids et on dort. 100% dans notre tête, c'est une putain d'idée. On va se mettre comme ça et on va dire... Ok, à demain. Il pleut. Bon, on échange de place?
Putain, il y a déjà plein de trucs de frites. Alors, est-ce que t'es prêt, chérie? Je t'emmène. Bah, en vrai, heureusement qu'on est sur un parking, c'est grave rassurant. Attends, comment je fais pour avancer le siège? Oh bordel. Alors, c'est quoi les boutons? Les boutons, t'as cru qu'on joue à un jeu vidéo en fait. Là, tu tournes la clé, en appuyant sur le frein. C'est là le frein. T'as ton permis ou quoi? Non, sérieux. Mais elle oustique. Ok. Ouais. T'as marche arrière. Ouais. Point, neutre. Point mort. Ouais. Ouais, ou neutre. Je sais même pas à quoi il sert d'ailleurs. Bah, ça. C'est neutre. Ça sert à quoi le N pour ceux qui conduisent automatique? R c'est recul, N c'est neutre, D c'est drive. T'appuies sur le bouton, tu vas sur le D. Ah, il y a un bouton, d'accord. Voilà, ok. Et là, bah, tu commences à tourner, tu lâches le frein. Et là, tu peux un petit peu accélérer. Ah, c'est un régal à conduire. T'as eu peur? Non. J'adore. Allez, stop. Laisse-moi là. Les gars, je vous laisse avec Kiki. Je prends une caméra. Ok. Je la laisse tout seul dans ma voiture. J'ai quand même confiance en vrai de vrai. Mais c'est un régal à conduire. Une automatique comme ça, t'as rien à faire à part appuyer sur deux pédales. C'est trop bien. C'est vrai qu'elle fait un bruit bordel. Et encore, elle est même pas en mode sport. Hein. Parce que les gars, bah maintenant, ça fait bien deux semaines que je l'ai. Et je vous avoue que quand elle est en mode sport... C'est trop bien. Je suis sûr qu'il est en train de se chier dessus là. On va mettre sa cam un petit peu à Valouze. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Oh là 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 là. En vrai, la loi kiffée. Tu sais, c'est comme quand tu fais une petite session de cartes ou quoi, tu kiffes, tu vois, tu conduis un truc que t'as pas l'habitude de conduire. Donc là, j'avoue, Kiki, elle le kiffait là. Elle le kiffait là. Là, elle est en mode sport là. Ok. Donc là, fais gaffe, elle est beaucoup plus sensible à la pédale. Là, t'as pas besoin de contrôler les palettes, hein, t'inquiète. Bon bah, elle veut refaire un tour en mode sport. Elle a fait fumer, je l'ai entendu de loin. Elle l'a fait fumer. C'est un de ces bruits, bordel. Par contre, on en parle de ça, on est en plein milieu d'un parking, les gars. Il y a un masque. En plein milieu d'un parking de nulle part. Hein. Il y a un masque, frère. Ça décoiffe, hein. Mais attends, mais moi les gars, j'ai l'habitude à une Toyota Auris et là ça y est, j'ai monté en gamme, j'ai pris une Audi A1, mais j'ai pas l'habitude d'avoir un RSQ3 quoi. Mais c'est trop bien. Tu l'as fait fumer, hein. Et j'étais en motin, tu faisais fumer quoi. Et t'as vu, y a plein de monde qui me regardait, hein. Bah ouais. Ils devaient se dire, elle doit kiffer. Tiens, mets-toi en D, hop, et vas-y, bah rentre à la maison. Mais ouais, c'est vrai, bah en fait, c'est le bruit qui attire les gens. Ouais. Et elle fait du bruit. Mais bordel. Ouais, elle fait du bruit. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, moi. Parce que quand je suis à l'intérieur, elle fait mon. Enfin, ouais. En fait, en gros, il fait du bruit, mais différemment, tu vois. Bah voilà, les gars, c'est officiel. J'aurais fait conduire Pidi sur la voiture à tous ceux qui disaient, hey, il fait plus confiance à Doc Jésus qu'à Pidi. Bah c'est juste que Doc, je sais que c'est un habitué, que déjà moi la première fois que j'avais conduit j'étais pas rassuré, donc je me dis si Pidi elle conduisait j'étais encore moins rassuré, tu vois, vu que je connaissais pas la voiture. Là je sais qu'au final ça va, ça se conduit. Attention aux excès de vitesse. Mais ouais, là je me rends compte qu'au final, bah automatique c'est plus simple que manuel, etc. Que elle se conduit vraiment toute seule. Ah ouais. Mais du coup ouais, c'est pour ça que j'étais pas rassuré quand j'avais eu la voiture. Mais là ça y est, vous inquiétez pas, j'ai confiance en Pidi. Hein. C'est vrai? Bah bien sûr, c'est quoi cette question? Ça me fait plaisir. Là je fais parking, ça. Ouais. T'as conduit le bolide. Oui. En vrai, je me suis bien débrouillée pour moi de vrai, non? Ouais, ça va. Ça va, Kiki, c'est officiel. T'as conduit. Prochaine fois. Ça veut dire que maintenant, je pourrais me bourrer la gueule au restaurant. Prochaine fois, je t'amène au local. Ouais. Merci, Loustique, de m'avoir fait conduire. C'était vraiment cool. Bah, on a déjà mangé, en fait. Y a pas de dégustation. Bah, non. Oh. Bah, non, Mimu. Bah, non.
Bah ouais, et désolé, en fait, on avait faim, on a mangé dans la voiture en amoureux. Bon bah les petits potes, voilà, petite vidéo, chill, on a mangé, on a regoûté les Royales de Luc. Pidi, elle a conduit la voiture, voilà, on s'est amusé, voilà, c'est le but des vidéos, hein, c'est qu'on s'amuse. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, on n'oublie pas les pouces, les abonnements, les commentaires. On n'oublie pas, objectif, dormir à la belle étoile, enfin à la belle étoile, oui. Dans la voiture, mais en regardant les étoiles. Oui, oui. J'avoue que c'était pas du tout prévu, mais ça peut être, en vrai, ça peut être marrant. Oui, ça peut être cool. Ça peut faire partie d'un bon souvenir. Je sais pas du tout si ça peut donner une bonne vidéo, mais on s'en fout, hein, les gars. Juste, on fait un truc et on kiffe. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation, sinon toute la semaine pour du Fortnite. Les jeudis, c'est live. Et puis voilà. Ciao les petits potes. Et comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, les gars.